Eh bien, ce matin, nous nous dirigeons vers le Sphinx. Juste là. Non, je suis dans l'autre sens. Voilà. Allez. Donc hier, on était là-bas. Et là, on est là. Imaginez la taille de ces blocs. Je suis en train de dire que ouais, si vous regardez tout au fond, vous verrez Jay là-bas. Imaginez vraiment la taille de ces blocs. La tête du Sphinx qui dépasse là. Ah, quand je pense qu'Obélix lui a cassé le nez, quelle tristesse. Remonter à 10 000 ans parce que notamment il pointe vers des étoiles, etc. Ça, à la limite, on s'en fout un petit peu. Il y a l'élément tangible sur lequel se base ce discours. Il date des années 60. Il avait été mentionné la première fois par un auteur français qui s'appelle Robert Chevalier de Lubitz, qui est notamment auteur de des Temples de Louxor, qui est un livre assez incroyable, qui fait, je crois, il y a 800 pages de texte et 1000 pages de planches, de photos, de choses comme ça. Il a passé 20 ans au temple de Louxor. Il a aussi fait les temples de Karnak, qui est dans des proportions moindres, mais à peu près pareil, genre 300 pages de texte et peut-être autant de planches, de photos, tout ça. Et il a écrit d'autres choses qui sont un peu abscons, voire incompréhensible, genre le miracle égyptien, le roi de la théocratie pharaonique, des choses comme ça. Enfin, c'est très compliqué ce genre de livre, il faut beaucoup de prérequis, il y a beaucoup d'ésotérique. Mais il a quand même fait des belles choses, on va dire plus tangibles, plus concrètes par rapport au temps qu'il a passé à Louxor. Et donc c'est lui dans les années 60 qui, pour la première fois, a mentionné l'érosion qu'on voit autour du Sphinx. Et c'est depuis cette époque-là qu'on parle de cette érosion comme signe incontestable que le Sphinx doit remonter à 10 000 ans parce qu'il aurait dû forcément être suffisamment longtemps exposé à des intempéries pour que cette érosion puisse se créer. Alors, oui, mais en fait, non, à cause de plusieurs choses. La première, c'est que déjà à l'époque pharaonique, le temps n'était pas encore désertifié complètement. Donc c'était encore très tempéré. Et quand il y a des orages ici, on n'a pas besoin de 10 000 ans de pluie pour avoir un petit peu d'érosion sur du calcaire qui est de très mauvaise qualité. Parce qu'à la fin des années 90, il y a un géologue anglais qui s'appelle Colin Reader qui a analysé la qualité du calcaire sur tout le plateau de Gizeh et sur le Sphinx. Et le calcaire du Sphinx est de très mauvaise qualité. Donc c'est pour ça qu'il est très érodé et c'est aussi pour ça qu'on peut avoir très facilement de l'érosion. Donc on pourrait imaginer seulement quelques centaines d'années avec les orages qu'on a et les précipitations pour qu'il y ait déjà cette érosion qu'on retrouve. Donc ça, c'est la première chose. Et Jean-Pierre Houdin, que vous connaissez probablement pour sa théorie de la rampe circulaire sur la pyramide de Khéops, a
aussi fait des travaux qui sont beaucoup moins connus sur l'érosion du Sphinx et sur la topographie du plateau de Gizeh. Et en fait, lui, sa conclusion, c'est que le Sphinx est postérieur, en tout cas, à l'allée qui relie le temple à la pyramide de Khéphren. Parce qu'en fait, sur cette allée, vous le verrez mieux quand on sera juste à côté du Sphinx, il y avait un espèce de conduit fermé, comme un tunnel, qui servait à la procession. Pour transporter la momie du pharaon. Et en fait, avec cette structure et la topographie du plateau de Gizeh, lorsqu'il pleut, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couler dans ce sens, on est d'accord. Donc c'est tout à fait légitime que sur le mur d'enceinte du Sphinx qu'on a en face de nous, il y ait de l'érosion verticale parce que l'eau va couler là. Par contre, sur la partie gauche du mur d'enceinte, l'érosion diminue à mesure qu'on se rapproche d'ici. Il y a plus d'érosion dans l'angle tout là-bas et puis ça diminue progressivement. Et en fait, les travaux de Jean-Pierre Houdin ont montré que c'est tout à fait logique parce qu'en fait, quand il va y avoir des grosses intempéries, l'eau va couler comme ça. En fait, après, ensuite, elle va buter contre le tunnel de son allée. Elle va couler par ici. Et ensuite, elle va se déverser dès qu'elle le peut dans l'ensemble du Sphinx. Vous voyez? Donc, c'est tout à fait logique qu'on ait sur le côté gauche des traces d'érosion les plus importantes là-bas. Donc, c'est le premier endroit où le sol se libère pour que l'eau puisse couler. Et c'est normal aussi que ces traces d'érosion diminuent à mesure qu'on arrive par ici. Donc, on n'a pas forcément de date plus précise, mais en tout cas, dans le sens de construction, le Sphinx serait postérieur à tout le complexe funéraire qui relie le temple de la vallée au temple funéraire qui est devant la pyramide par cette allée. On a pu entendre correctement, parce qu'il y a un petit peu devant, les explications de Planète Ro, passion explorer de son ancien nom. Chaîne YouTube que je vous recommande fortement. Et c'est grâce à lui que je suis un peu ici aujourd'hui. Et voilà, je vous laisse savourer. Regardez donc l'échelle monumentale de ces blocs en calcaire. Celui-ci en particulier qui est juste énorme. On se rend compte. Regardez, l'échelle humaine. Et toujours avec ce granit rouge. Ça, c'est le temple du Sphinx. Encore une fois, l'intérieur du temple du Sphinx. Il ne reste pas grand chose, hein. À part ces monolithes de calcaire, cette hauteur démesurée. Ça, c'est un morceau de la colline en calcaire, donc où ont été extraits tous les blocs qui se trouvent là. Ici, ils avaient dérivé un canot du Nil, un canal plutôt, donc un petit bras du Nil qui arrivait ici. Donc Yann devant moi qui fait environ 1,70 m, je dirais. Voilà. Et donc toujours en mur cyclopéen. Là de bloc, regarde. Et ce qui est rigolo, c'est que comme au Pérou, on retrouve toujours ces petites arêtes là. Donc ce bloc est sur le mur là, et il maintient aussi tout ça.
Nous rentrons dans le temple de la vallée avec ces murs cyclopéens. Non merci, il fait beau, je n'ai pas envie de revoir la pluie. Très chère Marie, vous imaginez ce bloc là-haut qu'il a fallu poser. Toujours en mur cyclopéen, je vais vous donner l'échelle humaine maintenant. C'est impressionnant. Donc tout à l'heure nous étions là. Oh. Voilà, j'ai même eu le droit à une cabriole. Nice! Moi aussi, je suis impressionné. Seul en albâtre, voilà. Là, on nous explique que ouais, c'est la jointure des deux blocs. Bon, après, c'est normal, parce que quand tu as les deux poids qui s'écrasent, mais c'est un des endroits où c'est le vraiment. Tu regardes ça, je sais pas qu'il y a deux blocs, tu vois pas qu'il y a. Non, des hauteurs démesurées. Tellement content d'être ici et de partager tout ça avec vous. Murs cyclopéens, c'est gigantisme. J'ai hâte d'être à Carnac, je ne le cache pas. Là, je vous laisse après encore un petit peu. Ça, avant de vous montrer le son de partage. D'autres du temple. J'ai toujours ces blocs qui font la jointure. J'ai toujours en cyclopéen, donc là ils ont mis de l'enduit grossièrement. Ça, c'est pas d'époque. Je ne sais même pas pourquoi ce sont des pierres des joints, puisque là, tu veux-tu te tourner? Reviens par là. Reviens. C'est l'instant photo. Voilà. Alors que revoici le sous-préfet. Oh, attends, vas-y, refais. Le préfet sous? Oui, ah bah lui, oui, ça c'est sûr. Hein. Nous nous dirigeons vers le Sphinx en empruntant cette petite rampe d'accès. C'est rigolo, il y a des petites cavités de part et d'autre. Voilà. Et c'est rigolo.
rigolo parce qu'il y a des petites. Et là, tu as une cavité qui descend, ça descend. Ouais. En fait, là, ils font avec du granit, ils faisaient déjà sur les murs de la salle. Laisse, laisse. Ouais. Hi. J'adore la queue du sphinx comme ça, avec ces petites pyramides magnifiques. Un autre hôtel qui est juste par là. Donc je voyage avec Passion Explorer pour ceux qui se demandent. Je conseille un accueil très chaleureux, des repas fantastiques, des explications plausibles et incroyables. Voilà. Et on aperçoit les couleurs de la coiffe. La solution est que ça va à contre-courant. Des choses qui vivent depuis des années, okay. Ils ont déjà dû nous passer par des bureaux. Donc tout ça, ça a été reconstruit un peu. Là, la fameuse érosion dont on parlait. Et donc là ça descendrait à 17 mètres donc sous la grande allée royale. Donc là on est à côté du temple accolé à la pyramide. Alors lui n'était pas accolé. Là-bas il est accolé, mais c'est lui. Ouais, un bon petit décalage. Comment il s'appelle? Sarkozy. Sarkozy. Et l'autre c'est Hollande. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Allez, madame. Thank you.
c'est appelé par certains en tant que proto-funéraire. Donc il est antérieur. Ce que vous avez là, c'est antérieur à ce truc. On ne sait pas trop quoi, c'est très fou. Parce que pourquoi eux, ils ont fait un premier petit temple et ensuite un autre temple qui répond à toutes les caractéristiques qu'on voit dans les autres. Hein. C'est toujours du calcaire avec du granit dessus, hein. Vous avez l'habitude. Donc là, vous avez un temple proto-funéraire. Voilà, qui, comme tout, je sais plus, c'était peut-être avec Marc ou Seb avant, pour toutes les règles, il y a toujours une exception. Donc finalement, on a, ça bloque un peu dans la cohérence de tout. Le fameux deuxième temple dont parlait notre ami Yann, en espérant qu'il n'y avait pas trop de vent. La fracture du parement, du... au tremblement de terre qui a abîmé l'entièreté de la pyramide. Donc ensemble de Mastaba, donc le Mastaba et la tombe égyptienne, la pyramide en étant le summum. Donc tout ça, ce sont des... c'est un cimetière, tout simplement un énorme cimetière. Alors qu'on se fait engueuler. Ah bah ça va faire bien sur ma vidéo ça. Entrer dans les mastaba. Oh. Par contre ce qui me chagrine, c'est partout, c'est assez ouvert. Petit accrochage avec le gardien, un des gardiens et une des gardiennes. Je pense que les fleurs n'ont pas été très bien arrosées hier soir. J'étais très très en colère, menacé d'appeler la police. Voilà, donc nous ne verrons pas les mastaba. Soi-disant, il y aurait des fouilles en cours ou des gens qui creusent. Bon, après, je comprends qu'ils protègent. Leur patrimoine. Voilà. En pleine négociation. Mastaba, qui ont donné toutes ces pyramides, donc l'agglomération de ces mastaba et l'évolution, c'est ça. Donc un lieu, comme vous le voyez, où il n'y a pas de touristes, puisque les touristes se font.
Comme toujours, j'espère que cette visite du plateau de Gizeh vous aura plu. C'était la dernière vidéo consacrée au plateau de Gizeh. Je vous retrouve bientôt pour une vidéo sur les temples et aussi la carrière d'Assouan, puisque nous quittons le Caire pour partir un petit peu plus loin dans les terres d'Égypte. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, à bientôt.